Clap bonjour les pires. Mais ta gueule Gaël, ta gueule Gaël. Putain Gaël, ta gueule Gaël. Y'a même pas de bière, y'a rien. C'est 64, mais y'a encore des gens qui boivent ça en 2019. Gaël. 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 Reviens Gaël. Y'a pas à chipoter, hein, y'a pas à faire tes chichis ou à acheter des chouquettes ou des trucs comme ça. Ouais bah Karim Benzema c'est meilleur joueur de l'équipe de France. Bah ouais moi je le dis, à Karim Benzema on aurait gagné la Coupe du Monde, bah les doigts dans les poches, hein, c'est moi qui le dis. C'est pas n'importe qui le dit. Moi c'est Jojo Bernard c'est pas n'importe qui maintenant. 6 ans que je suis sur YouTube, à 6 ans. Hey, c'est Zumi, c'est David, j'espère que vous allez bien, ça va super, ça va extrêmement bien avec Mijashi. Coucou. Salut bonsoir, c'est Paulo et bienvenue sur Marvel Spider-Man, c'est le moment de continuer notre aventure sur ce jeu magnifique. Je me rappelle, j'ai rencontré Sydney dans une boîte de nuit, ouais. Ah mais ouais, pardon, je confondais avec mon ex. Ah moi je pensais que c'est le jour où Vince m'a offert un soutien à gorge et qu'en fait c'était pas l'attaque que je voulais, du coup j'ai même pas pu l'essayer. Ouais, c'est ça, putain, on se connaît trop par cœur tous les deux, quoi. Ah le frère, ah soubret, ah te l'aide. Ah mais t'as cru t'étais qui? T'as cru t'étais moi mec? Mais moi je sais ce que je veux, si je veux me refaire le nez, je me refais le nez. Si je veux me refaire le nez, moi je me refais le nez, c'est pas toi qui va décider. Non mais attends, mais calme-toi Sidney, c'est juste un jeu. Bonjour, bonsoir bande de bitches, mon nom est Maddy, aka le Pussy Slayer. Bonjour, bonsoir bande de gens très respectables de l'internet français, mon nom est Maddy. Bonjour à tous, c'est Lama Fâché pour vous dire de vous abonner à Jessimitation. Ah, mais ce serait pas les petits journalistes là? Y'aurait pas moyen d'être un petit peu interviewé là? Ouais, bah pour la Saint-Valentin, je vais être avec une petite minette, ouais, je vais l'emmener à un petit restaurant bien sympathique. Avec un petit buzz, on ferait quelques petits trucs sous la couette, quoi, un petit peu, là. Je pense pas que les gens s'attendent vraiment à me voir dans cette catégorie d'imitation. Mais voilà, parce que mon métier principal, c'est pas être youtubeur. Parce que je suis pas youtubeur, de base, voilà. Mais faire une vidéo sur les acteurs porno, ça aurait été moyen, quoi. Parce que je pense que si c'était imitation acteur porno, ça aurait plutôt donné des trucs comme... Voilà, donc je pense pas que ça aurait été vraiment très intéressant. Mais après, c'est vrai que je poste quand même pas mal de vidéos sur YouTube, de mes lives Twitch, notamment des rediffusions, avec mon petit ami Benzaï. Ouais, il a bien raison, Manu. Sauf que je fais pas cette voix-là quand je suis dans ces lives. Je suis plutôt avec cette voix-là, voilà, c'est un petit peu... Ça se rapproche un petit peu plus de celle de Benzaï. Elle est un petit peu plus comme ça, voilà. Il parle plus calmement, surtout quand il fait ses chronocritiques. Voilà, c'est plus avec cette voix-là que... Celle du Hard Corner. Bien le bonsoir, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Super Connard. C'est Cyril MP4 maintenant, c'est plus Super Connard. Donc vous allez arrêter de me casser les couilles à me dire Super Connard, parce que vous êtes des fils de pute. Voilà ce que vous êtes. D'ailleurs, je me plains pas, mais le mec qui avait imaginé mon corps, il avait perdu les plans. Il est parti en impro. Je suis le créateur du corps de Cyprien. Pour faire simple, j'ai fait n'importe quoi. Comme les yeux. Hop là. Humain, ouvre-moi la porte. Toi qui as la clé. Allez. Nique ta mère, fils de pute. La chatte de la con de ta mère, la pute. Enculé, sapatard. Je te nique le trophion de ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. De salaud, va baiser ton chien, t'es qu'un mange-merde négro. Le garage habite gros sans doute de ta race, de ta sœur la fripouille. Grotte de bique, ramolli du clan, Robignol. Et ce baisse de bitch chaudement velu qui pue la merde, humide de piste dégueulasse et de morveux verre d'interrompante. La vidéo est à présent terminée. Et oui, oui, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo derrière moi. Et même le fait que je sois debout et que je puisse me déplacer librement. Bordel, c'est tellement mieux. Oui, j'ai un décor. J'ai tout réaménagé dans ma chambre pour pouvoir avoir un décor et que les vidéos soient plus qualitatives. Et je viens de lâcher un postillon sur le micro.
Donc c'est beaucoup mieux pour moi pour tourner, le fait que je puisse tout simplement me balader, le fait que je sois debout, le fait que je puisse avoir un décor, bref, il y a beaucoup d'avantages. Après, il y a quelques petits inconvénients encore, comme le derrière, vous voyez pas l'envers du décor, mais pour mettre le micro comme ça, il est pas sur un bureau, enfin c'est mon bureau est derrière avec le PC, mais il est sur un truc, j'ai dû prendre un objet, je sais même pas, je ne peux même pas vous décrire cet objet, c'est un truc en bois, et j'ai... pour mettre le micro tout simplement, voilà. Donc c'est encore la galère, mais ça s'améliore avec le temps, donc un peu comme le vin, et un peu comme Pharrell Williams. Et puis ça me permet, quand je rentre, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire là c'est un invité, je fais « Hey, ça va toi ?» Il n'y a personne. Un jour il y aura quelqu'un. Personne ne m'aime. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, bah... comme à chaque fois, et à comme à chaque fois, je dis comme à chaque fois. Et dites-moi aussi si vous aimez le décor que j'ai fait derrière moi, et si bah, tout simplement vous préférez ce format de vidéo où je suis debout, plutôt qu'avant quand j'étais renfermé. J'espère que oui, parce que j'espère ne pas avoir fait ça pour rien, quoi. Et n'oubliez pas aussi qu'en haut à droite, il y a le petit sondage sur lequel vous pouvez choisir la prochaine vidéo imitation. Et vu les deux choix que je vous ai mis, ça sera forcément une grosse vidéo imitation qui arrivera sur la chaîne. J'ai envie de vous dire, bah, faites le bon choix. Ah là, niveau choix, on est entre choisir entre Megan Fox. Non, Megan Fox. Bah, Megan Fox, quand même. Faut pas abuser. Franchement, les gars, entre nous, on regardait pas les premiers Transformers pour les bagnoles. On avait un autre châssis à mater, si tu vois ce que je veux dire. Je vais conclure cette vidéo en vous disant à la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. C'était Jess Imitation. Pour vous servir, ciao.